Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Et maintenant la famille, on passe à la séquence magique de la semaine. C'est la séquence encore de la magie. C'est magique. Et ce soir la famille, donc comme nous avons la chance d'avoir Mathieu avec nous, je vous l'ai dit en introduction, il nous a préparé pas de jeu ce soir, il nous a préparé un tour spécialement pour VL. Donc vous avez besoin d'une feuille A4 que Elodie va vous montrer. Vous n'êtes pas trop con, une feuille A4 et un stylo de toute marque, voilà, de toutes les couleurs. Donc un tour spécialement préparé pour nous ce soir. On est sur VL. Mathieu nous fait un mini show en direct. On fait un maximum de bruit. Ouais, c'est parti. Merci. Oui, je me suis dit qu'un tour de magie, c'était un peu dommage parce que forcément, à la télé, ils vont le voir, mais les auditeurs qui nous écoutent, ils pourront pas vraiment le vivre, et c'est ça qui est intéressant. Donc je me suis dit, on va faire un petit truc de mentalisme, sachant que mentalisme et magicien, c'est le même métier, c'est juste la présentation qui diffère. Alors il faut une feuille en papier blanche, des deux côtés c'est mieux, à quatre c'est mieux, vous allez écrire dessus. Donc voilà. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette feuille en deux parties identiques. D'accord. Vous faites ça à la maison, évidemment. Une partie, vous mettez de côté pour l'instant, et la deuxième partie, vous la pliez en deux et vous la découpez en deux parties. Identique à nous. Ah d'accord, okay. D'accord. Les deux que vous avez, vous les coupez encore en deux. Ah. Ça, on aurait pu peut-être le faire avant. Alors. Alors, des quatre petits bouts, vous en choisissez un. Voilà, vous le prenez, vous faites une boulette avec. Ok. Et vous l'achetez sur la personne de votre choix. Ah. Voilà, si vous êtes à la maison et que vous n'avez personne, vous pouvez le laisser sur votre chat, ouais, sur le chat, avec, le chien, la sinon la poubelle, on n'a pas besoin. Les trois bouts qui restent, vous les coupez en deux à nouveau pour qu'on ait six bouts. Vous avez six petits bouts, vous en prenez un au hasard et vous refaites le coup de la boulette, ce qui vous permet de venger si quelqu'un vous achetait un truc que vous n'aviez pas prévu. J'ai rien reçu. Moi, je me venge sur rare. Oh là là. Donc vous avez cinq petits bouts et un grand bout. Vous prenez votre stylo et sur le premier petit bout, vous marquez un grand numéro 1 dessus. On met 1. Ouais, 1. Et vous le retournez et derrière, on met 2. Et on met. Ah, d'accord. Voilà. On le pousse au bout de la table, en haut de la table, sans, en le laissant côté 2 visible. Ensuite, on prend un autre bout et on met un autre petit bout, on met 3 et de l'autre côté 4. J'ai perdu le fil là. J'ai l'impression que je suis en train de monter un meuble Ikea. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on met 4 à côté du 2. 4 à côté du 2. Côté 4 visible, bien sûr. Ensuite, sur le suivant, on met dans l'ordre. On met 4 à côté du 2. 5. Bah, on a un bout sur lequel il y a 1, 2. Non, non, mais on a compris. Regardez ce que font les autres, la famille, parce que déjà qu'il est 54, là, vous êtes en train de. On souligne le 6 pour être sûr de ne pas se tromper, parce qu'après, on peut le confondre avec le 9. Ah ouais, pas bien. Voilà. Sur le suivant, on met 7 d'un côté et 8 de l'autre. Jusque-là, tout va bien. Et sur le dernier, on met 9 qu'on souligne aussi et on met 10, ce qui nous fait les petits bouts. Et on a 2, 4, 6 et 8 et 10 visibles. Ok, d'accord. C'est bon ? Très bon. Voilà. Alors maintenant, on reprend la grande feuille et là, on va faire un listing de 1 à 10 en partant d'en haut. On va faire une liste. Donc en haut à gauche, on met un grand 1. En dessous, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 et un 10. Et maintenant, c'est là maintenant qu'on va jouer, donc évidemment les auditeurs peuvent le faire avec nous s'ils ont suivi jusque là. Et on va tous marquer la même chose, on va marquer les différentes choses et on va tous marquer la même chose. Alors on va commencer avec, on va le faire dans l'ordre, hein, on va commencer Thibaut. Avec Thibaut. On va demander au début donc un pour toi, un lieu ou une ville, ou un lieu et une ville où on pourrait se retrouver pour célébrer quelque chose. Ça peut être un truc loin ou un truc près comme tu veux, on fiche. Je vais dire le parc d'attractions de Santa Monica. Le parc, alors on peut marquer parc d'attractions. Le mec qui te donne l'adresse. Il essaie de pourrir le tour. Attraction en 1 de Santa Monica. Okay. Tout le monde marque ça. Oui, oui, en 1 on marque ça. Parc Santa Monica. Ça peut être plus simple, hein, ça peut être plus simple. Ouais. Oui, mais parce qu'il aime bien me dire en 2, Rachel. Ses habitudes à Los Angeles. La pizzeria du coin. La pizzeria du coin. Parfait. Très bien. On y a mangé d'ailleurs, elle était bonne. Pizza du coin. Ouais, j'avoue. Celle du coin où là, à côté. Non, juste à côté. Ouais, juste à côté. Chez moi. Allez, d'accord. Ça c'est le 2. Ensuite en 3, j'ai peur de lui demander. Julien, un lieu. Soft. Retrouver. Soft. Soft. Le Queen. Le Queen. Oh, c'est bien ça. C'est fini, ça a fermé. Maintenant qu'on a fait les lieux un peu, on va faire une activité ou un truc que l'on pourrait faire ensemble pour se voir, pour faire la fête ou voilà quelque chose. Martial, en 54. Pour faire la fête, VL. On se retrouve, ok, VL, on peut faire la fête à VL. On fait la fête, hein, la dernière fois, et Jean-Marie Une activité Pen, donc qu'on pourrait faire ensemble. Elodie. Non, attends, moi d'abord, parce que je suis en 5. Moi je vais dire un restaurant 4 étoiles, ça fera plaisir à ma soeur qui nous écoute depuis Montréal. Ah, resto 4 étoiles, voilà.
voilà. Ensuite, en 5. Donc en 6 maintenant, Elodie. Elodie. Eh ben dans une cave. Une cave. Ouais, qu'est-ce qu'on fait dans une cave? Invite-nous. Eh bien dans une cave, on picole. On picole, ouais. Ok. Je vais calmer Julien, elle me le relance. Ensuite, Alexandre, en 7, qu'est-ce qu'on pourrait faire entre potes? Boire une bière. Ok, boire une bière, génial, boire une bière, super. Ensuite, en 8, Sarah. En oui, pyjama party. Une pyjama party. C'est bien de ton âge, ça. Ensuite, il nous reste 9 et 10. Balancez des idées, c'est Martial qui va décider pour le 9 très et 10. Bien. Et ceux que vous êtes à la maison, si vous êtes à la maison, vous marquez ce que vous voulez. Foire du trône, non, trop classique. Non. Dans un hôpital. Hôpital. Oui, si on fait hôpital, le clown pour les enfants, pourquoi pas. Hôpital, clown. En hôpital, neuf. Clown. On a quoi d'autre? En 10. Sur une plage. Tour Eiffel, allez, c'est Tour pas Eiffel, mal. Tour okay. Eiffel. Eiffel, Tour Eiffel. Alors vous mettez ça de côté, ça c'est notre référence. Très okay. Bien. Et maintenant, vous faites glisser les papiers devant vous. 2, 4, 6, 8, 10. Avec un doigt sans changer le côté du papier, vous les glissez pour changer un peu l'ordre, qu'il ne soit pas dans le bon sens. D'accord ? Enfin, qu'il ne soit pas dans l'ordre de 4, 6, 8, parce que je ne veux pas que vous soyez influencé. Ensuite, vous allez en choisir un, celui que vous voulez. Chacun peut prendre différent. Un, vous le retournez et vous entourez. Voilà. Il faut pas le numéro. Il faut pas que tu le vois. Non, je m'en fiche, moi, on peut le voir, bien sûr. Okay. Donc vous en prenez un, vous le retournez et vous entourez le numéro. Vous le mettez de côté. Et on le met de côté. On entoure et on met de côté. Voilà. Okay. Ensuite, il vous reste 4 papiers. Alors là, c'est important, vous pouvez les rebouger un petit peu si vous voulez. Vous allez en choisir 2 et vous allez les retourner. Et alors maintenant, c'est là que ça va être un peu difficile. Vous allez additionner ces 4 chiffres. D'accord. C'est vous faites-le deux fois. C'est ouais, les 4 qui sont là. J'en ai 2. Vous avez 4 papiers, vous additionnez les numéros. Ah, d'accord. Les okay. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon ? Oui. Vous le faites deux fois. Et alors, on en a tous des différents, normalement. Hein, t'as combien ? Moi, j'ai 22. 22. Non. Julien. 24. 24, bon, voilà. Ça, évidemment, ça dépend de ce que vous avez fait et ça bien dépend sûr. Des choix qu'on a fait. Alors maintenant, et c'est là que c'est important, vous allez additionner à ce total votre numéro secret que vous avez entouré. Mais vous le dites pas et vous le marquez en dessous de votre liste. Le total, le grand total. On rajoute en plus le... Ouais, le numéro que vous avez entouré. Ok. J'étais pas bon en maths. C'est bon, c'est ok. Bon. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, vous prenez tous les papiers, vous faites un tas. Voilà. Ouais. Vous déchirez ces papiers en deux. Ouais. Vous rejoignez tout, vous déchirez à nouveau en deux. Mettez dans la main et vous fermez la main dessus. Voilà. Et en fait, ce que vous avez fait là, vous n'êtes pas rendu compte, mais vous avez choisi la soirée que vous offre Martial pour la fin de la saison. Ouais. Si vous avez de la chance, vous pouvez avoir un restaurant 4 étoiles à Santa Monica, ou à Parc d'attractions. Ouais. Parc d'attractions, ou une simple bière. Alors, pour que ça marche, là, il n'est pas vraiment d'accord, mais pour que ça marche, on va faire la formule magique. Et la formule magique, c'est Radio Vélé, quand on dit on jette les confettis. Ah, d'accord. 1, 2, 3, Radio Vélé. Ah, c'est beau. Maintenant, il est d'accord. Et alors, vous pouvez tous aller vérifier. Dites pas le chiffre, mais vérifiez. Vous avez un nombre avec deux chiffres. Bah, ouais. Premier numéro, ça donne une information. Deuxième ouais. numéro, ça donne une deuxième information. Ouais. Et comme tout bon tour de mentalisme, j'avais fait une prédiction avant. Elle est dans mon téléphone. Mais d'accord. Comme dans mon téléphone, je peux avoir plusieurs photos. Je l'avais mis sur Instagram une heure avant de venir. Ah, ouais. C'est beau. Si vous voulez avoir sur Instagram Mathieu Biche, et je vais vous montrer en plus, tout si tu fais de l'autopromo, ça c'est du génie. Ah oui, moi je veux ça, voir. C'est du génie. Alors. Il y a écrit quoi ? C'est quoi ? Merci. Ah putain. Ça a été vraiment fait il y a une heure ? Alors attendez, la famille. Là, on a le. Mathieu Biche. Oui, là, on a le restaurant, la pizza du coin. Ah non, c'est avec une blague. Une bière. Oh, c'est une blague ! Ah, c'est pas possible. Si j'additionne, moi j'ai 27. Moi, ça fait bien 27. Pizza, boire une merci. Bière. Oh, merci. Ah. Du bruit pour Mathieu Biche, la famille, s'il vous plaît ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.